L'actrice britannique de 31 ans Tanya Faire avait disparu ce jeudi 9 septembre, mais les services de police de Los Angeles ont confirmé qu'elle avait été retrouvée vivante, rapportent plusieurs médias américains et britanniques. Le compte Twitter géré par la famille et les amis de Tanya Faire, Tanya Faire, a également confirmé la bonne nouvelle et s'est immédiatement rebaptisée Faire Tanya Faire. C'est un vif plaisir et un grand soulagement de vous annoncer que Tanya a été retrouvée saine et sauve par la police aujourd'hui. D'après ce que nous savons, elle n'est pas physiquement blessée mais par mesure de précaution elle est à l'hôpital pour une évaluation de son état de santé. Nous souhaitons remercier la police, les membres du public pour leurs efforts pour localiser Tanya, ainsi que pour la vague d'inquiétude et de soutien au cours des derniers jours. La famille de Tanya est soulagée et extrêmement reconnaissante. S'adressant à Mail Online, la mère de Tanya, Yvonne Marimo, a déclaré « Notre famille est ravie et soulagée de confirmer que Tanya a été retrouvée. Un ami de la famille est actuellement avec elle, en tant que famille et membre du cercle de Tanya. Nous aimerions remercier la communauté de LA pour ses efforts actifs sur le terrain à sa recherche. À la communauté mondiale, nous tenons à dire merci d'avoir partagé son image, ses affiches et ses stories. C'est tous ensemble que nous l'avons retrouvée. Merci. » Ce lundi 13 septembre, soit 4 jours après sa disparition, Yvonne Marimo s'était exprimée déclarant avec autant d'émotion que de crainte, « Je veux que ma fille soit en sécurité. Je lui demanderai directement, si elle lit ceci, de bien vouloir contacter quelqu'un juste pour nous faire savoir qu'elle va bien. Nous n'avons encore pu joindre personne de l'ambassade des États-Unis à Londres et nous sommes très impatients de les entendre pour savoir ce qui se passe à Los Angeles. » Pour la famille, les proches et les fans de la comédienne, le cauchemar vient de prendre fin même si de nombreuses questions demeurent.